Si tu te fiches de moi et que tu n'es pas là quand j'arrive, tu vas le regretter, tu vas voir. Crois-moi, Farouk, vraiment, tu vas le regretter. Je me fiche pas de toi. Je t'attends. Il est grand temps de régler nos comptes. Attends, tu paies rien pour attendre, j'arrive. Et je vais te tuer, je te le jure, je vais te tuer. Attends-moi. Regarde ça. Kamal, où est-ce que tu vas? Laisse-moi, Jamila. Dis-moi où tu vas. Ne bouge pas d'ici. Kamal! Où est-ce que tu vas? Oui, quoi? Kamal, dis-moi où tu vas, pour l'amour du ciel. Je vais nulle part. T'inquiète pas. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui se passe, Kamal? Je m'en occupe, Jamila. Ça va aller. Te fais pas de soucis. Ça va, ok? Tu vas t'attirer des problèmes, Kamal. Je t'en prie, ne fais rien de stupide. Je t'en supplie, reviens. Écoute, c'est bon, je vais aller le dire à Jamila, ton père. Jamila, pas question. Sinon, j'aurai des problèmes, tu m'entends? C'est important que personne ne le sache. Jure-le-moi. Jure-moi que tu diras rien. Jure-le-moi. J'ai peur, Kamal. N'aie pas peur. Je vais revenir comme prévu. Pas de panique, Jamila, d'accord? Je suis très inquiète. Mais non. Je reviens. Au revoir. Bon sang, c'est pas vrai. Idiot. Attends. Karim, tu oublies l'argent. Tu as l'air bien pressé, hein? Merci. Voilà. Merci beaucoup. Regardez Yannis Akmen et Vénus Tézérel à leurs fiançailles. Ils sont dans tous les magazines. Madame Chaya qui était elle aussi. Oui, je sais. Quel honneur. Bon, reprenons le travail. Tu n'as pas été prise en photo. Même Jamila, on ne la voit pas. Mais enfin, c'est parce que c'est ce qu'elle voulait. Jamila ne voulait pas être photographiée. Elle a passé toute la soirée à se cacher. Non, non, arrêtez, arrêtez de me photographier. Ah, et il y a Karim. Ah oui? Regardez, il est là aussi. Mais il est toujours avec Nadia Sinaner. Normal, ils travaillent ensemble. Tourne-toi. Et quand est-ce qu'on va voir Jamila à la télé? Vous ne la verrez pas, on a changé d'avis. Ah, et pourquoi? Jamila a attiré toute l'attention. Ce soir-là, vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'était. Il y avait des gens partout autour d'elle. Elle pouvait à peine respirer. Donc elle s'est dit, si c'est déjà comme ça maintenant, alors que la publicité n'a pas été diffusée, qu'est-ce que je vais endurer après? Jamila n'aime pas ce genre de choses. Elle renonce. Alors moi, je peux quand même pas la forcer. Ah, c'est dommage. C'est pourtant le rêve de tout le monde. Oui, mais ma fille n'est pas tout le monde.
Elle préfère être dans l'ombre que dans la lumière. Karim ne voulait pas qu'elle le fasse, n'est-ce pas? Oh, lui, ça ne le regarde pas. Ce n'est pas grâce à lui qu'elle a trouvé? Pas le moins du monde. C'est eux qui sont venus chercher Jamila. Si Karim fait un stage chez eux, c'est une pure coïncidence. Elle ne veut plus le faire, alors quoi? Je ne peux pas la forcer. Ce n'était pas écrit. Enfin, elle a quand même raté une bonne opportunité. On va rincer. Les deux clientes. Venez. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Oh. On n'est pas du tout inquiète pour l'avenir de Jamila, vous savez. Elle a du talent, alors... Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Tout à fait. Allô? Jamila? Oui, Madame Tekinoglu? Ce matin... Oui, je vous écoute. Un colis a été livré, avec un mot à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a entre Kamal et toi? Il n'y a rien du tout. Eh bien, ce n'est pas ce que pense Karim. Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose, je le sais. Il ment, je le sais qu'il ment. Karim, qu'est-ce que tu fais? Je suis sûr qu'il y a quelque chose entre eux. Entre qui? Entre Kamal et Jamila. Ils se moquent de moi depuis tout ce temps. Karim! Où es-tu passé? Les simites commencent à sécher. C'est impossible. Si, j'en suis sûr, il y a quelque chose entre eux. Il ne ferait pas une chose pareille. Arrête de penser ça. Karim! Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux déclarer une guerre entre deux frères? Moi, je n'ai rien fait du tout, madame. Il n'y a rien entre Kamal et moi. Alors qu'est-ce que voulait dire ce mot? Je vous jure que je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Moi, je ne peux rien vous dire, mais Kamal vous expliquera tout. Qu'est-ce qu'il va m'expliquer? Moi, je vois que tu es en train de creuser un fossé entre mes fils. Tu cherches à te venger de Karim parce qu'il a rompu, c'est ça? De quoi est-ce que vous parlez? Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Bon, très bien. Ne t'approche plus de mes garçons. Taisez-vous, s'il vous plaît. Oh. Oh mon Dieu. Tu peux mettre tout ça dans une valise et les donner aux pauvres. Oui, mademoiselle. Tout cet espace n'est pas utilisé. On peut faire tomber ce mur et agrandir cette pièce. Pour la chambre du bébé... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous faites des travaux? Bonjour. Un architecte va venir.
On est en train d'imaginer la nouvelle chambre. Nouvelle chambre? Ça veut dire qu'on va vivre tous ensemble? Pourquoi personne ne m'a demandé mon avis? Qu'est-ce qui lui arrive encore? Nadia. Nadia. Nadia, pourquoi es-tu aussi grossière? Hein? C'est ma fiancée. Et moi, je respecte plus ton Karim que tu ne respectes Vénus, qui est ma future épouse. Si vous voulez vivre ici, vous devez me demander mon avis. Pourquoi? Est-ce parce qu'Attila Sinaner est ton père biologique? Non, c'est parce que je n'ai pas envie de vivre avec Vénus. Pardon, Vénus. J'ai très très mal dormi cette nuit. Mais je crois vraiment qu'il faut qu'on en parle. Je croyais que vous en aviez parlé. Je n'ai plus envie de vivre ici, de toute façon. Vénus, attends. Tu as changé depuis que tu es avec lui. Tu as encore peur qu'il choisisse cette fille, c'est ça? Laisse-moi, Yanis. Bien. Je vais vivre ici. Juste à côté de toi. Je vivrai ici quand je serai mariée. On formera une grande famille. Ça, c'est si tu te maries. Désormais, ne me demande plus jamais de te rendre un service. Jamais. Espèce de malade. Par ici, par ici, par ici. Par ici la belle lingerie, mesdames. C'est par un ici, modèle exclusif. On en avait encore 50 hier, il n'en reste qu'un. 36B. Mais ce n'est pas ma taille. Impossible. 36, ma main a coupé. Vous avez de la chance. Ce modèle taille un peu petit. D'accord. Vous verrez qu'il vous ira à merveille. Ryan, emballe ça. Pour les ados, les jeunes mariés, les femmes matures. On en a pour tous les âges, toutes les tailles. Merci, madame. Au revoir. Hey, salut mon frère, qu'est-ce qui me fait l'honneur de ta visite? Il faut que je te parle. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, écoute, je t'ai déjà posé la question, mais tu m'avais jamais répondu. Je veux savoir ce qui se passe entre mon frère et Jamila. Oh non, mais enfin de quoi tu parles encore, Karim? Allez, réponds, tu sais ce qui se passe. Je te jure qu'il n'y a rien. Mais t'as bu ou quoi pour penser une chose aussi stupide que celle-là? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Kamel a reçu ça ce matin. Ça veut dire quoi? Alors maintenant, ne viens pas me dire qu'il n'y a rien entre eux. Qui a bien pu envoyer ça? Je te demande juste de me parler honnêtement. Parce que là, j'en ai marre qu'on se moque de moi. Je veux simplement savoir ce qui se passe entre eux. Mais moi, j'en sais rien. Je jure devant Dieu que je ne sais rien. Mon frère... Il n'y a rien du tout. Allez, calme-toi. Viens. Petit ami saura ton secret. J'ai envoyé l'autre à Kamal. Elles tireront très bien. Non, non, je n'en veux pas. S'il te plaît, Jamila. Je suis en retard pour ton anniversaire. Je n'avais pas eu l'occasion encore d'acheter un cadeau. Thank you.
Écoute, Ali, on a déjà rompu. Et je ne veux rien faire du tout. Je veux juste savoir ce qui se passe. C'est soit une mauvaise blague, soit quelqu'un qui veut semer la cisanie. Je te jure que je comprends pas. Et je suis étonné. Comment ça se fait que tu prennes ça au sérieux? Bon, laisse tomber, Ali. Je sais même pas pourquoi je suis venu te demander ça. C'est Jamila. Oui, Jamila. Ali, Kamal a de sérieux problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit de ne rien dire à personne, mais j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Cet imbécile de Karim qui me répond pas au téléphone. Ali, il faut faire quelque chose. Il est parti, il n'a pas voulu m'écouter. Il est parti où? Il m'a dit que ce serait pire si je le disais à quelqu'un. Moi, je ne sais pas quoi faire, Ali. Jamila, dis-moi où il est. Chez un certain Farouk. Je reviens. Non, je dois rentrer. Je dois laisser la voiture à un ami. J'en ai pas pour longtemps, mon frère. Je ne peux pas. Donne-moi mon argent. Tu vas devoir attendre. Je te donnerai ton argent au retour. Mais tiens. Prends ça en garantie. J'en ai pas pour longtemps, je reviens tout de suite. Mais je ne peux pas attendre. Je reviendrai après avoir parlé à un ami. Ne t'inquiète pas. Je reviens. Ne m'attire pas de problème, s'il te plaît. J'ai des enfants. Farouk ! Il n'est pas en cours ? Tu en es sûr ? Ok. Non, il va venir. Ou alors il va m'appeler. Ok. Non, c'est bon, je l'appelle maintenant. Merci beaucoup. Moi aussi, je t'embrasse.
Qu'est-ce qui se passe? Entrez. Qu'est-ce qu'il y a avec Farouk? Eh bien, je te l'aurais dit si tu avais daigné répondre au téléphone. Kamal était en train de partir. Je t'ai appelé pour Jamila, que tu l'arrêtes. Jamila, s'il te plaît, dis-nous ce qui se passe. Jamila, dis-nous ce qui se passe. Quoi? Toi aussi, t'as reçu un colis? Ah. Quelqu'un a sonné ce matin et a déposé ça. C'est la même boîte. Ça doit venir de la même personne. C'est sûrement cet homme qui les a envoyés. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Le salaud. Oh non, mon Dieu. Cet enfoiré cherche les problèmes. Tu as eu un mot aussi? Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il me veut? C'était l'ennemi de Kamal en prison. Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi est-ce qu'il s'en prend à moi? C'est parce qu'il croit que tu es la petite amie de Kamal. Tout comme toi. Hein? Et comme ta mère. Elle m'a téléphoné. Tu veux savoir ce qu'elle a dit? C'est pas possible. Tout le monde devient fou. Et ça retombe sur moi. Bon, Jamila, maintenant arrête de pleurer. Raconte-nous toute l'histoire depuis le début. J'ai reçu cette boîte ce matin, alors je suis partie voir Kamal pour lui demander. Et c'est là qu'il est parti. Jamila, arrête de pleurer et explique-nous. Jamila, il court peut-être un grave danger pendant que t'es là en train de pleurer. Alors parle-nous clairement pour qu'on puisse aller l'aider. Tu n'as même pas l'argent pour payer ta course en taxi. T'inquiète pas. On lui a donné de l'argent. Tu peux encore me dire merci. Je vais te tuer, espèce d'enfoiré. Tu pouvais pas venir ici tout seul. Faites attention. Ne le frappez pas dans le ventre. Doucement, doucement. Kamal, Kamal, calme-toi, reste calme. Regarde ça d'abord. Le film de ton père. Il a du talent, non? Enfoiré. Ouais, alors, Kamal, le gros dur. On parlait de régler les comptes entre nous. Mais ta dette ne cesse d'augmenter. Pas vrai? C'est avec moi que tu as un problème. Tu laisses ma famille et mes amis tranquilles. T'approches pas de mon père. T'approches pas de ma famille. T'approches pas de Jamila. Ferme-la. Silence. Ton père serait déjà en prison si j'avais voulu. J'ai plusieurs versions de cette vidéo. Celle-là, c'est la plus courte. Je peux la donner à la police. Sois maudit, espèce de pourriture. Mais je ne le ferai pas. Baisse ton pistolet. Il est temps de se mettre d'accord. Pas de se battre. Tu devrais la mettre un peu plus sur la droite. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais je crois que ça serait mieux si... C'est bon, j'ai dit. Tu n'as rien d'autre à faire, Hussein. Oh là 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 là. On a encore du travail. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Au revoir, mesdames. Merci, et à très bientôt. Et surtout, tous mes vœux de réussite à Jamila, bien sûr. Merci, au revoir. Au revoir.
Allô? Naïl? Lui-même. Bonjour, c'est Yasmine Chayak. Yasmine Chayak, la mère de Jamila. Ah oui, bonjour. Vous savez, ça ne va pas très fort, Naïl. Tout d'abord, je voulais vous présenter mes excuses pour ce qui s'est passé l'autre jour. Et je suis désolée aussi de vous appeler sur votre numéro personnel. Pas de problème, j'écoute. Les mots que Jamila a prononcés ce jour-là n'étaient pas convenables du tout, j'en conviens. Mais vous savez, elle a été tellement choquée que ça lui a complètement échappé. N'importe qui à sa place aurait fait la même chose. C'est humain, après tout. Son contrat est annulé. Et par-dessus le marché, on la provoque. Vous savez que j'ai appris par vous-même qu'elle ne faisait plus partie de la campagne. Vous n'interprétez pas mal ce que je vous dis. Bonjour. Je ne vous accuse pas du tout personnellement. Au contraire, je crois même que vous n'avez pas encore dit votre dernier mot à ce sujet, devant vos associés. Madame Chayak, je suis vraiment désolé. Mais vous savez qu'il n'est plus possible pour Jamila de revenir travailler parmi nous. Non, je ne suis pas en train d'assister pour que vous la preniez dans vos pubs. Non, moi, je dis juste qu'elle aurait besoin d'un coup de pouce. Vous n'êtes pas seulement associé avec le groupe Sinaner. Vous avez peut-être un poste à lui proposer dans une autre de vos sociétés, n'est-ce pas? Un travail? Elle ne devrait pas être mise à l'écart à cause d'un caprice. Elle ne le mérite pas. Je vous appelle parce que vous, vous avez l'air différent des autres. Vous avez l'air d'un homme sensible. Et vous m'êtes très sympathique. Merci beaucoup. Mais c'est vrai, c'est sincère. Ma fille accuse vraiment le coup. Moralement, elle se sent très déprimée. Quand elle a quitté son travail, c'était pour venir travailler avec vous. C'est pourquoi je vous demande juste de l'aider un peu. Que faisait Jamila avant? Jamila? Les relations publiques. Dans une entreprise de restauration. Elle était manager. Oui, je vois. Je vais essayer de faire quelque chose. Même si je ne peux rien vous promettre maintenant. Bien sûr, bien sûr. Bon, alors, je vais vous envoyer le numéro de Jamila par message, au cas où. Comme ça, vous pourrez l'appeler directement si vous avez quelque chose. Oui, d'accord. Merci infiniment, en tout cas. Et sincèrement, je suis encore désolée de vous avoir dérangé. Je vous en prie. C'est vrai que Jamila traverse vraiment une période difficile. Donc, la moindre des choses, ce serait qu'elle ait un travail. Oh, pardon, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Bonne journée à vous, et encore merci pour tout. Au revoir. Alors, Jamila, où es-tu? Où es-tu, ma chérie? J'ai cru qu'elle ne raccrocherait jamais. Mais c'est vrai qu'elle a été traitée injustement. Je suis d'accord avec toi. Je crois qu'on devrait faire quelque chose pour cette fille. Jamila ? Jamila ! Maman, pas maintenant ! Papa ! Kamal est allé voir Farouk. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques avec lui ? Maman, Kamal est en danger. Il est avec lui en ce moment même. Tu n'as pas envie d'aller en prison, même pour porter des vêtements propres à ton père. Ne me touche pas, et ne parle pas de mon père. Tu as osé le racketter pendant des années. Tu as osé lui planter un poignard dans le dos, espèce de rat. Sale voleur. Ton père a incendié 3 de mes commerces. Tout ce qui était à l'intérieur est parti en fumée par sa faute. Toi, tu me connais. Et tu sais que je vais chercher à me venger. Tu le sais! Et tu sais aussi que ton père va payer pour ça. Si tu le touches, je jure que je te tranche la gorge. Tu fais bien le fanfaron. Pour un pauvre type fauché. Voilà comment tu vas payer ta dette. Bats-toi pour moi. Je n'étais pas ton esclave en prison, alors ça risque pas. Je ne me battrai jamais pour toi. Sauf que maintenant, tu as beaucoup plus à perdre.
Tu essaies de gagner de l'argent. Tu essaies de t'en sortir dans la vie. C'est bien. Tu ne me touches pas, c'est clair. Tu m'as bien compris. Je t'empêcherai d'avancer dans la vie comme je l'ai déjà fait avec ton pauvre commerce de sac. Je t'empêcherai de te relever. Tu me connais. Tu sais que je suis capable de te mettre à genoux. Ce que je te propose est un marché plus que raisonnable. Bats-toi pour moi et paye la dette de ton père. Sinon, tu pourras aller lui rendre visite tant que tu voudras, ton vieux. Et puis franchement, il a assez souffert avec toi. Tu crois pas? Tu peux bien faire ça pour lui, fiston! Malade. Tu es fou. Tu es un psychopathe. Je l'ai juré. Je te laisserai pas tranquille si j'ai pas ma part. Bien joué. Alors? Il va rentrer. Ils ont passé un accord. Mais si jamais il touche à mon fils, je le massacre, je le tue, je l'égorge! C'est bon, papa. C'est lui qui a envoyé la boîte? Oui, il a envoyé la même à Jamila. Jamila a été suivie par cet homme. C'est une belle ordure. Vous n'avez pas honte maintenant de ce que vous m'avez dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a insinué que j'avais une relation avec Kamal. Oui, mais... En lisant ce mot, n'importe qui aurait pensé la même chose. Maman, c'est bon. Ne dis rien. Ne leur parle pas. On a toujours des problèmes à cause de cette famille. Ne me provoquez pas! Je suis déjà assez furieux comme ça! Sinon quoi? Ah, sinon bon, quoi? Maman, allez, on y va. Qu'est-ce que vous lui voulez à ma fille? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Je vous préviens, vous tous. Laissez-nous tranquilles. Et ne vous approchez plus de ma fille. Tout ce que vos fils arrivent à faire, c'est la rendre malheureuse. Maintenant, ça suffit. Ça doit s'arrêter tout de suite, vous entendez? Avance. Alors, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Dieu nous a sauvés de cette femme. Est-ce qu'on appelle la police, papa? Parce que peut-être qu'il a dit ça juste pour que tu ne t'inquiètes pas. Non. Il vaut mieux attendre. Si on les appelle, il fera du mal à Kamal.
Ça, j'en suis certain. Mon Dieu, non. Toi, tu me connais bien. Quand je m'énerve, personne ne peut plus m'arrêter. Si tu touches à un seul cheveu de mes proches, je te jure que je te ferai regretter, peu importe notre accord. Si tu les touches, je te jure que tu pourras creuser ta tombe. Tu as compris ? Je me fiche pas mal, moi, de tes proches. C'est juste toi qui m'intéresse. Arrête aussi d'embêter Jamila. Ne t'approche pas d'elle. En plus, elle n'est pas du tout qui tu crois. Ce n'est pas ma copine. Elle est juste la fiancée de mon frère. Ils ont rompu et on n'a plus de contact avec. C'est tout. C'est une simple voisine. C'est juste une amie à moi. Donc arrête de lui faire peur. Ben voyons. La première fois que tu t'es battu, c'était déjà pour elle. Je m'en souviens bien.